la gang, François Lemay ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le défi Soyons le changement, je vous démontre que tout change. Parce que regardez juste derrière moi, bang! C'est un palmier ça, mes amis. Ouais, et vous vous rappelez la dernière fois qu'on a fait un défi ensemble, mais j'étais dans la neige à moins 25 et aujourd'hui je suis à plus 30 dans le sable. Regardez juste ici. Et je fais une vidéo parce qu'on était rendu au temps de demain. Hein? On est samedi aujourd'hui et demain, c'est le dimanche, c'est le groupe Soyons le changement. Aujourd'hui, le défi que j'ai envie de vous partager, c'est justement en termes de changement, que tout change, tout est constamment en mouvance, tout est constamment en cycle. Et que, vous voyez, la semaine passée, j'étais dans la neige, cette semaine, je suis dans le sable, sur le bord de la mer, regardez juste ici. Donc, il n'y a rien qui ne change pas. Donc, la première semaine, on a vu les gratitudes. La deuxième semaine, on a vu apprendre à s'observer. Mais là, cette semaine, ce que je veux vous lancer comme défi, c'est d'observer à quel point que le changement, il est partout, il est en tout. Exactement comme vous voyez les vagues juste là derrière moi. Mais les vagues sont constamment apparition, disparition, apparition, disparition, apparition, disparition, expansion, contraction. Les vagues sont en tout. Regardez juste ici derrière moi. Juste là, là. Expansion, contraction, expansion, contraction. Mais notre vie, la gang, est expansion-contraction. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va mordre aux contractions. On va mordre aux résistances, aux contractions, aux résistances qu'on vit financièrement, aux résistances qu'on vit dans notre couple, dans notre prise de décision au travail. On va mordre à ce qui se passe pas comme on aimerait que ça se passe. Et ce qui se passe, ce qui arrive, c'est qu'on ne progresse pas. On n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans le flow de la vie et on résiste. Donc, quand je dis « soyons le changement », incarnons le changement, mais c'est ça, c'est incarner cette nouvelle version d'être humain-là qui va être dans le flot de la vie puis qui va arrêter de résister à ce qui est. C'est une des grandes forces, une des grandes réalités qu'on doit appliquer si on veut se réaliser pleinement et avoir ce sentiment d'abondance-là, mais vraiment connaître l'abondance. Parce que si je résiste constamment, je ne pourrais pas connaître l'abondance. Mais l'abondance, sous toutes ses formes d'argent, d'amour, de fou rire, d'attention, d'affection, d'opportunité, de synchronicité, si je résiste constamment, je ne pourrai jamais être dans mon abondance, dans ma pleine réalisation, connaître l'amour véritable au travers de tout ça. Donc, le défi cette semaine, apprendre à regarder le changement. C'est ça que je vous donne. Je ne vous dis pas d'accueillir tout ce qui est là, mais d'apprendre à voir dans quoi, qu'est-ce qui change en fait. Hein, la semaine passée, je n'avais pas de chapeau, je n'avais pas de lunettes. Hein, je vais essayer de ne pas avoir... Ah non, je peux pas parce que le soleil est trop fort. La semaine passée, je n'avais rien de tout ça. J'étais dans le sable, j'étais en retraite. Aujourd'hui, je suis en vacances. J'étais dans la neige, aujourd'hui je suis en vacances. Les choses changent. J'ai déjà été financièrement difficile, aujourd'hui ça a changé. Il n'y a rien qui ne change pas, la gang. Que ce soit notre solitude, que ce soit notre perception de nous, notre amour de nous, notre estime de nous. Il n'y a rien qui ne change pas. C'est la plus grande de toutes les vérités universelles. Tout change. Et c'est important que tu saisisses ça. Donc, ton défi cette semaine, un. Arrêtez de résister à ce qui est pour les 7 prochains jours. Dire « It's okay! Changing! Anicca! » Tout change. Et deux, de reconnaître tout ce qui change. Peu importe ce que tu manges, je comprends qu'un jour ça a été un noyau, un pépin, qui a donné un arbre, qui a donné des fruits. L'argent que tu as, mais il a fallu que tu la gagnes un jour pour la dépenser. Et on doit être dans le flot de la vie. Les choses doivent circuler si on veut se réaliser pleinement, parce que sinon on va écoper ce que la vie est en train de... On va avoir l'impression de subir la vie. Et pourtant, tout a sa raison d'être, tout est parfait. Changing, changing, constantly changing, phenomenon, anicca. Tout change, la gang. Donc, observez le changement, apprenez à faire go with the flow avec, essayez de résister le moins possible. Et en cours de route, je vais vous partager des outils pour accueillir le changement, apprendre à se déposer. Mais pour l'instant, faisons de ce changement-là un allié. Et pour ça, il faut observer de quelle façon il se présente dans notre vie. Alors, j'ai hâte de vous lire dans vos commentaires. Est-ce que vous avez tendance à résister au changement? Ou à accueillir ce qui est là et comprenez que la semence pour donner l'arbre avec tous les fruits d'abondance, mais il a fallu qu'il y ait du changement et des cycles au travers de tout ça pour qu'elle puisse se réaliser. Et que François Lemay qui vous fait des vidéos aujourd'hui de partout dans le monde, mais il y a qu'un jour faisait de la tonte de pelouse et tout ça, mais il a fallu qu'il se réalise, il a fallu qu'il se réajuste, il a fallu qu'il mange la roche, il a fallu que ça soit difficile, mais qu'il a vécu des cycles, des contractions, des expansions, il va en vivre encore. Mais c'est grâce au changement que je suis en train de faire la vie de mes rêves. Le changement est mon ami, le changement est mon allié, la gang. Soyons le changement que l'on veut voir dans le monde. C'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore. » J'ai hâte de vous lire sous les commentaires. Et je vous dis, invitez vos amis sur ce groupe-là parce qu'on veut faire de ce monde-là un monde meilleur. Et je ne peux pas faire ça tout seul. On a besoin les uns les autres.
Alors, c'est François Lemay qui vous dit je vous aime, je vous adore. Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!